Cooper. Consultez tous les messages de 2020. Oui, passez-les dans l'ordre. Kobe Bryant est donc mort ce dimanche dans un accident d'hélicoptère en Californie. Au cours des trois derniers mois de 2019, environ 5 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. Alors que le pays n'a pas encore passé le milieu de l'été, le bilan des incendies y est déjà lourd. Ce que les habitants de Wuhan redoutaient est arrivé, la ville est mise en quarantaine. C'est de cette mégalopole qu'est parti le mystérieux coronavirus en décembre dernier. And the Oscar goes to Parasite. Il faut continuer de gagner du temps. Et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais pour notre intérêt collectif. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les premiers tests qu'on avait sur le virus avec les Chinois qui les avaient, les Chinois ont publié assez tôt d'ailleurs dans un très bon journal, en février, ont publié, écoutez, voilà, il y a deux médicaments qu'on a testés qui marchent in vitro, c'est-à-dire dans les cultures cellulaires. And dug into orbit. So they're going to continue under the power of this second stage. Stage 2 propulsion is nominal. George Floyd est maintenu à terre à proximité d'une voiture. Les médias américains ont réalisé un décompte. Le policier qui a été inculpé ensuite pour homicide involontaire serait resté 8 minutes et 46 secondes. Il va dire la même chose que George Floyd. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Depuis son balcon, Ahmed a commencé à filmer et diffuser l'incendie en direct sur les réseaux sociaux, jusqu'à l'explosion. Après l'attaque qui a coûté la vie à Samuel Paty, 15 personnes, dont 4 collégiens, sont en garde à vue. De nouveaux éléments viennent éclairer le parcours. Il est le tout premier à avoir endossé au cinéma le rôle du plus célèbre agent britannique. Et dans le cœur des puristes, Sean Connery restera à jamais le seul, l'unique James Bond. Combattant à l'écran, mais aussi dans la vie. Entre les tournages des films qui l'ont rendu célèbre, Chadwick Boseman luttait contre un cancer du côlon qui a fini par l'emporter à 43 ans. Hier soir, vous le savez, Diego Armando Maradona nous a quittés. Il avait 60 ans. Vive la République, vive la France.